Bonjour à tous et à toutes. Et d'abord, je voulais vous remercier d'être beaucoup plus nombreux que je ne croyais en initiant ce vlog et de laisser des commentaires parce que, en fait, la rédaction d'une thèse, ça peut être un exercice assez solitaire et en fait, avoir l'impression qu'un petit dialogue s'enclenche, c'est très très précieux pour qui rédige sa thèse. Et tant qu'on en est encore aux remerciements, je voulais aussi remercier mon adorable petite sœur qui a relu les 10 premières pages de ma thèse et qui m'a envoyé des vidéos de 5 minutes à chaque fois pour 2 pages, où elle avait surligné tout ce qu'elle ne comprenait pas et où elle m'explique à l'oral ce qu'elle comprend pas et tout, et c'est génial, enfin c'est super utile. Donc je voulais la remercier. Et aussi ma mère qui a relu les 10 premières pages. Voilà, passé ces remerciements, je voulais expliquer qu'aujourd'hui je vais faire quelque chose de légèrement différent de d'habitude parce que je me suis rendu compte en lisant certains des commentaires que je n'avais pas pris le temps d'expliquer en gros sur quoi je travaillais et que ça pouvait être un peu compliqué du coup de comprendre les étapes de ma rédaction sans comprendre de quel sujet il s'agit. Donc aujourd'hui ce sera un truc peut-être un peu plus long en 3 points. Je vais d'abord expliquer comment je suis arrivée à mon sujet, en quoi consiste mon sujet, et je ferai une petite exploration avec vous du forum d'écriture sur lequel je travaille pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes familiers des forums et que les forums sont très divers, et donc le fonctionnement d'une plateforme peut être différent de celle que vous connaissez. Commençons par le commencement, par le fil autobiographique. Et il faut remonter loin. Quand j'étais au collège, comme beaucoup de mes pairs, j'avais un skyblog. Et j'ai découvert sur mon skyblog que j'adorais écrire et raconter ma vie, mais d'une manière un petit peu drôle et tout ça. Et donc peu à peu, j'ai découvert la communauté skyblog des gens qui écrivaient des fictions, c'est-à-dire des romans feuilletons, concrètement. Donc il y avait une variété de thèmes assez pauvres, en fait, c'était souvent des romances ou des espèces de fiction lycéenne qui ressemblaient un peu aux séries américaines. Il y avait parfois un peu une dimension fantastique, un peu dark, un peu émo. Donc si j'ai commencé, j'ai eu je crois 2 skyblogs de fiction entre ma troisième et ma seconde. Et à la fin de la seconde, au mois de juin, je m'ennuyais un petit peu et puis surtout le modèle des skyblogs ne me convenait pas parce que j'étais pas du tout douée pour me vendre. Je savais pas comment faire la promotion de mon skyblog. C'est-à-dire que les rares lecteurs qui arrivaient dessus aimaient bien ce que j'écrivais, mais j'arrivais pas à faire venir des gens. Et je voyais des filles, parce que c'était que des filles, hein, évidemment, qui étaient super douées pour faire des beaux graphismes, des partenariats avec d'autres skyblogs. Il y avait des skyblogs de répertoire de plusieurs fictions avec des critiques. Voilà, enfin, c'était un système vraiment bien rodé et il fallait y passer du temps et comprendre comment ça fonctionnait. Or, j'étais, je pense, trop flemmarde et puis j'y comprenais rien, de toute façon. Donc voilà, au mois de juin, en fin de seconde, j'entends parler des forums d'écriture. Je me dis pourquoi pas, allons voir. Je me connecte sur celui qui était à l'époque le plus grand, donc on est en 2010, hein, le Forum des jeunes écrivains. Je choisis un pseudonyme pris à la mythologie, Pasiphaé. Et bon, là, à l'époque, il y avait toute une réflexion autour du choix de ce pseudonyme qu'aujourd'hui, bon, je trouve mignonne, hein, mais avec laquelle je ne serais. Enfin, je suis pas sûre que je choisirais encore ce pseudonyme aujourd'hui, mais peu importe. Et je poste donc sur le forum, après ma présentation, puisque c'est le premier poste de tout nouveau venu, le tout début de mon roman, qui était un très mauvais roman. Et immédiatement, j'ai eu plein de retours. Super détaillé, de gens qui étaient plus vieux que moi et qui écrivaient des romans bien meilleurs que le mien. Je me souviens notamment du retour d'Orcal, de Laura Plume. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout de suite été dans le bain. Alors s'intégrer sur un forum, c'est pas beaucoup plus facile que s'intégrer dans une communauté de Skyblog, mais au moins, vous êtes tout de suite visible, à peu près comme les autres. Il n'y a pas besoin d'être hyper relié à plein d'autres blogs. Votre topic, il est parmi les autres. Et donc, les gens, s'ils sont curieux, ils vont lire et puis ils commentent s'ils aiment. Et donc, cette déhiérarchisation, je pense, a été bénéfique. Ça ne veut pas dire que je me suis intégrée tout de suite. Je ne sais pas aller sur la chatbox au début parce que j'avais l'impression que c'était que des gens ultra stylés qui discutaient sur la chatbox.
Il y a des gens dont j'osais même pas commenter les textes parce qu'ils étaient plus âgés. Je me suis intégrée par le concours de nouvelles qui à l'époque était vraiment l'institution du forum parce qu'on pensait un petit peu à la manière des Américains que la nouvelle c'était le laboratoire du roman. C'était vraiment la lignée genre creative writing, les gens lisaient beaucoup de romanciers américains. J'ai découvert là-bas David Foster Wallace, Thomas Pynchon ou Tom Spanbauer. Enfin voilà, c'était les noms qui couraient. Fonte aussi. Et donc ce concours de nouvelles a été un espèce de gros facteur d'intégration parce que on était nombreux à participer. Je pense qu'il y avait une quinzaine de nouvelles à chaque fois qui étaient anonymisées sur un thème commun. Et puis il fallait voter pour les nouvelles et tout ça. Et moi, assez rapidement, on m'a dit, mais c'est pas des nouvelles ce que t'écris, c'est quand même plutôt de la poésie ou des proses poétiques. Moi, j'étais là, bah non, c'est des nouvelles. Enfin bon, de fil en aiguille, je me suis mise à écrire de la poésie. J'ai été intégrée par la communauté de poètes sur le forum. Au fil des années, je me suis inscrite sur d'autres forums d'écriture. J'en ai découvert des tout petits, d'autres très gros. Ça a été vraiment mon intégration en web littéraire et passer par les forums. Beaucoup plus que par la blogosphère ou par les réseaux sociaux. Même si j'essaie de m'intéresser aujourd'hui un peu plus à d'autres types de formats, évidemment. Donc ça, c'était le fil autobiographique. On saute directement en master 1. Après 3 ans de prépa, j'avais décidé, comme je sortais de prépa et que j'étais bien moulée sur les modèles de prépa, que pour mon master, j'allais étudier un grand écrivain. Donc j'ai étudié Jean Genet. Ce qui était déjà un petit peu transgressif, mais en fait pas tellement, parce que c'est l'un des écrivains les plus étudiés en France, Jean Genet. Je me suis perdue, mais en tout cas j'avais un séminaire donné par Michel Murat sur la question de la versification dans la poésie contemporaine. Et j'ai adoré ce séminaire, vraiment. Je ne connaissais rien à la poésie contemporaine alors que j'écrivais de la poésie dans le monde contemporain. Dans un petit groupe de poètes et de poétesses qui avaient mon âge. Donc très jeune. Et pour valider ce séminaire, Michel Murat nous a proposé d'écrire un petit mémoire, un mini-mémoire d'une vingtaine de pages, à partir d'un recueil ou d'une anthologie de poésie contemporaine, qu'il laissait à notre... Enfin, on pouvait choisir. Et je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Quelle bonne fée m'a soufflé sa poussière dessus. Je voyais vraiment pas. Parmi tous les poètes et poétesses qui nous avaient présentés, j'accrochais pas trop. Ou alors je trouvais ça très compliqué. J'aimais bien Nathalie Quintane, mais alors ça me semblait compliqué à traiter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé si je pouvais un petit peu transgresser la règle qu'il nous avait donnée et prendre comme anthologie un tout petit forum de poésie que je fréquentais à ce moment-là. C'était pas Jeune Écrivain, c'était un autre. Et il m'a dit pourquoi pas, que ça pouvait être intéressant. Et ce mini-mémoire a été vraiment une expérience formative pour moi parce que je me suis aperçue qu'il était possible d'appliquer les outils de la recherche à des choses qui étaient vraiment importantes pour moi et que ça me permettait de mieux les comprendre. Alors au départ, c'était la question de la versification, hein. C'était le thème du séminaire, donc forcément j'ai étudié ça, j'ai fait un relevé pour chacun des poètes, je me suis dit alors quels sont les types de vers pratiqués, qui écrit un vers libre post-surréaliste, qui écrit... Enfin bref, voilà, j'avais fait des petites catégories, mais c'est surtout dans l'introduction, dans la conclusion que je me suis amusée parce que j'ai essayé de comprendre ce que c'était qu'une communauté de poètes en ligne. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé par exemple à la versification qu'on puisse ajouter des émoticônes? Des questions toutes basiques. Et c'était vraiment le degré zéro de la réflexion sur la littérature numérique. Mais déjà, il s'était passé quelque chose. À la fin de cette année-là, après avoir soutenu mon mémoire sur Jean Genet, je me suis dit, mais j'aimerais bien aller plus loin. Donc j'ai contacté Michel Murat et je lui ai demandé s'il acceptait d'être mon directeur de mémoire en master 2 et pour que je puisse prolonger ce que j'avais amorcé dans mon mini-mémoire. Et là, j'ai été vraiment touchée parce qu'il m'avait dit qu'il se souvenait très bien de mon mini-mémoire, qu'il l'avait marqué et qu'il trouvait ça super intéressant et que je pouvais y aller. Et là, encore une fois, je me suis laissée influencer par les séminaires de Michel Murat parce que
Et j'ai suivi 2 ans de suite son séminaire du premier semestre, qui portait sur les représentations de la vie littéraire à l'intérieur d'un corpus d'écrits littéraires. Donc tous les romans de la vie littéraire, c'était beaucoup le 19e siècle, mais il y avait aussi le 20e. Et donc voilà, tous ces romans à l'intérieur desquels on parlait des avant-gardes, des cénacles. Par exemple, il y avait Odile de Raymond Queneau, qui était un espèce de pastiche du groupe surréaliste. Et dans le cadre de ce séminaire, il avait fait venir les auteurs de l'âge des cénacles, que je vais vous montrer. Voilà, l'âge des cénacles. Donc Anthony Gliner et Vincent Lenné, qui avaient travaillé sur les cénacles au XIXe siècle, donc cette forme de sociabilité littéraire qui était composée de petits groupes d'écrivains ou d'artistes entre pairs, c'est-à-dire qu'ils n'admettaient pas, comme dans les salons littéraires, des journalistes, des bourgeois, des mondains et tout ça. C'était juste des écrivains qui se retrouvaient entre eux, entre hommes, pour éprouver leur création au contact des pairs, en leur lisant leurs poèmes, en les commentant en direct, et voilà. Et dans l'âge des cénacles, il y avait toute une petite partie justement sur les représentations des cénacles à l'intérieur d'un corpus d'écrits, donc des poèmes de cénacles, des romans des cénacles et tout ça. Enfin voilà, j'avais trouvé ça super intéressant et donc j'ai un peu mixé du coup les 2 séminaires de Michel Murat. Et ce que je lui ai proposé, c'était de comparer le petit forum de poésie sur lequel j'étais à ce moment-là avec les cénacles, pour voir en fait d'un point de vue de sociologie de la littérature comment ça fonctionnait, est-ce que c'était pareil? Et oui, évidemment, c'était quand même assez similaire. Et donc en Master 2, j'ai fait ce mémoire-là. Donc j'ai étudié les rites de bienvenue, la formation d'un idiolecte commun à base de smiley fleurs. Je me suis bien amusée, et puis moi, ça me permettait de mieux comprendre, de mieux ressaisir une expérience qui avait été la mienne pendant tant d'années. Après la soutenance de ce mémoire, j'ai passé 2 ans à enseigner, collège, école primaire. Donc c'était un petit trou. Et à la fin de cette 2e année, j'enseignais à l'école primaire et je sentais que c'était pas tout à fait fait pour moi. Je me suis dit que j'aimerais bien prolonger en thèse les recherches initiées lors du Master 2 et du mini-mémoire de Master 1. Et donc je recontacte Michel Murat, qui me dit qu'il part à la retraite et que ce serait dommage de choisir un directeur de thèse retraité parce que du coup il serait moins intégré dans la vie de l'université. Et donc il m'a aidé très gentiment à chercher un directeur de thèse que j'ai fini par trouver. Et ce directeur de thèse m'a orientée sur une problématique qui relevait moins de la sociabilité littéraire comme en master que de la poétique et de la poétique numérique. Et c'est à ce moment-là pour moi qu'il y a encore un univers qui s'est ouvert parce que je ne savais pas, avant de rencontrer ce directeur de thèse, qu'on étudiait à l'université des productions nativement numériques, que ça formait un champ de recherche à part entière et qu'on avait des choses à dire sur la manière dont les textes étaient écrits parce qu'ils étaient en ligne. Pour moi, c'était vraiment une espèce de grosse découverte, donc à la fois de tous ces outils théoriques et aussi du web littéraire que je connaissais déjà un petit peu. En fait, je pense que qu'en fréquentant les forums d'écriture pendant 10 ans, on finit par croiser des gens tout simplement qui expérimentent ailleurs que sur les forums d'écriture. Donc je connaissais déjà deux ou trois choses. Par exemple, ça faisait longtemps que je lisais Fuir est une pulsion de Guillaume Vissac. Ça faisait aussi quelques années que je lisais Les relevés de Quentin Leclerc. Enfin voilà, j'avais plusieurs postes de lecture. Je lisais un petit peu aussi le tiers-livre de François Bon. Donc voilà, je connaissais tout ça et j'ai découvert encore plein de choses, notamment la littérature. Et c'était très très enthousiasmant. Donc on se situe en 2018 quand je commence ma thèse. Je choisis un corpus fondé sur un seul forum d'écriture, Jeunes écrivains. Alors je vais expliquer tout de suite pourquoi. J'aurais pu faire un corpus composé de plusieurs forums d'écriture. Il y en a quelques autres gros qui continuent à être alimentés, je pense au Monde de l'écriture ou à Cociclix. Seulement, en termes purement quantitatifs, Jeunes écrivains, qu'est-ce que ça représente?
Ça représente aujourd'hui 16 ans d'existence, 1 070 000 messages postés, plus de 25 000 membres depuis le début. C'est considérable. C'est déjà un corpus immense en soi à explorer. Et puis une fois qu'on a exploré ce corpus, on est aussi obligé d'aller un petit peu sur les marges, d'aller voir par exemple les blogs des membres ou leurs sites ou les réseaux qu'ils peuvent former sur d'autres types de réseaux. Donc c'est déjà considérable. Une démarche comparatiste serait sans doute intéressante et il y aura des petits points de ma thèse qui seront un peu comparatistes parce que notamment il y a certaines organisations de l'architecte sur le forum des jeunes écrivains qui ne sont pas les mêmes que sur le forum du monde de l'écriture et ça génère des pratiques d'écriture différentes. Donc ça j'en parlerai bien sûr mais il me semblait trop ambitieux de faire une thèse sur la politique des forums d'écriture en général. Des forums d'écriture depuis 2004-2005, il en a existé plusieurs centaines. En fait, c'est une partie du web littéraire qui est aujourd'hui relativement inaccessible, parasitée aussi par le fait que beaucoup d'hébergeurs, soit de forums, soit d'images, ont fermé, donc ce qu'il en reste est en mauvais état en général, et ça n'a pas été étudié. Voilà. On a enfin, moi en ce moment je suis en train de parcourir plein de forums des années 2005 à 2010 d'écriture et ils sont en très très mauvais état mais en même temps je me dis mais il y a un matériau passionnant. Mais voilà, c'est pas moi toute seule dans ma thèse qui peut tous les étudier, c'est juste pas possible. Donc mon corpus c'est un forum d'écriture. Et à partir de ce forum là, j'applique une réflexion poétique, c'est-à-dire comment sont écrits les textes, comment sont-ils fabriqués, et en relation avec leur support. Parce qu'en fait, en poétique numérique, il me semble que c'est un... Je m'exprime trop mal, désolée. On voit que je maîtrise bien mon sujet. L'une des trouvailles, on va dire, de la poétique numérique, c'est de s'intéresser beaucoup au support d'insertion. C'est-à-dire dire qu'il n'est pas anodin qu'un texte soit imprimé sur un livre, soit déclamé sur une scène, ou soit publié sur un blog, ou sur un forum. En fait, le support fait partie du texte, fait partie de son énonciation, et conditionne les choix d'écriture qui sont donnés à l'écrivain. Chose qui, lorsque le modèle dominant était le livre, était peu considérée. Que les avant-gardes du XXe siècle ont invité à considérer parce qu'ils ont exploré d'autres types de supports. Enfin, les avant-gardes ou certains poètes, je pense par exemple à Apollinaire avec ses vidéo-poèmes et ses poèmes radiophoniques, pardon. Donc je me suis perdue, mais en tout cas la littérature numérique invite à penser le support en relation avec l'écriture. Ça veut pas dire qu'on doit être dans de la pure description de l'architecte, ce serait super chiant. Alors l'architecte, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept des sciences de l'information et de la communication développé par deux chercheurs. Il s'agit d'Yves Jeanneret et d'Emmanuel Souchier dans un article de 1999 pour une poétique de l'écrit d'écran qui consiste à décrire l'outil qui écrit l'écriture. En fait, quand vous écrivez en ligne, il y a toujours des logiciels qui sont déjà écrits qui vous permettent d'écrire. Typiquement, l'architecte, ça va être le logiciel Facebook, le logiciel Twitter, le logiciel du forum. Ça a été écrit par des programmeurs qui ont en fait écrit la couche logicielle dans laquelle vous écrivez. Donc c'est pour ça qu'on parle d'architecte. C'est le texte qui conditionne le texte. Et dans les espaces en ligne, les architectes sont en général très prescriptifs, surtout sur les réseaux sociaux, ou en tout cas un peu prescriptifs si vous passez par une plateforme de blog ou de forum. Même si, voilà, il y a des degrés dans la prescriptivité, mais à moins de fabriquer vous-même votre site de A à Z, vous êtes forcément pris dans des formes et dans des imaginaires aussi. Enfin, ça aussi, vous êtes pris dans des imaginaires quand vous codez votre site, mais voilà. Donc, je me suis un petit peu perdue. Mais voilà, c'est de ça dont je parle dans ma thèse. Donc, j'ai une première grande partie où je vais vraiment être plus dans la description du forum. C'est comme une espèce de méga introduction de
100 ou 200 pages, je ne sais pas encore combien de pages elle fera, mais voilà. Parce que il y a plein de choses hyper importantes à décrire avant de passer dans le vif du sujet qui va être la poétique du forum, où il va falloir étudier, par exemple, ne serait-ce que les différentes couches de l'énonciation, entre le topic, la partie, la sous-partie, le bloc, etc. Donc comment ça s'organise hiérarchiquement, que produit l'arborescence, que produit le type d'énonciation avec le membre, enfin la fiche membre qui apparaît à gauche de chacun des messages. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est permis sur les... enfin, qu'est-ce qui émerge sur les forums. Je vais vous donner un ou deux exemples un petit peu plus concrets de la poétique des forums d'écriture, parce que j'ai quand même réfléchi à deux ou trois choses en thèse. L'un de ces exemples, c'est vraiment la question des doubles comptes hétéronymes. Parce qu'en fait, c'est très facile sur les forums, du fait que l'identité est pseudonyme, de créer plusieurs identités numériques qui vont être autant de personnages d'écrivains. Et il y a beaucoup de jeux là-dessus, en tout cas sur le forum que j'étudie, avec des personnages, des doubles comptes hétéronymes. Et ces hétéronymes peuvent être des hétéronymes collectifs, c'est-à-dire animés par plusieurs personnes. Alors je pense, pour ceux qui lisent un peu de littérature numérique, qu'on peut retrouver des choses comme ça avec le Général Instinct, par exemple, qui est un hétéronyme collectif aussi. Il y a aussi des hétéronymes appropriables, parce que quand un hétéronyme... Alors, il y a plusieurs types d'hétéronymes collectifs, pardon. Il y a ceux qui sont faits par plusieurs personnes, un groupe de personnes qui se réunit pour créer un hétéronyme. Il y a ceux qui sont appropriables, donc auxquels tout le monde peut participer. On a eu ça avec l'exemple de Finamore, sur lequel j'avais écrit un article, qui était un compte dont le mot de passe était public et qui fonctionnait avec une petite règle du jeu. Et malheureusement, c'est une œuvre qui a duré 3 ans, je crois, qui a été vraiment hyper importante dans l'esthétique du forum et qui a été vandalisée. C'est-à-dire que quelqu'un un jour s'est connecté et a supprimé le compte, tout simplement. C'est un petit peu les risques. Donc on a cette question de l'hétéronyme qui est ultra passionnante, sur laquelle je travaille beaucoup, et puis aussi sur les fictions d'écrivains, sur la prolifération de personnages d'écrivains dans une espèce de diégèse qui est souvent très métaleptique. Ça, c'est aussi Pascal Mougin qui en parlait beaucoup. Dans son livre Moderne Contemporain, du fait que souvent dans la littérature numérique on a des espèces d'effets de métalepse avec des franchissements entre plusieurs niveaux de réel ou de fiction, et typiquement sur le forum, ça, par le biais des doubles comptes hétéronymes, il y a des franchissements dans tous les sens qui sont très très drôles à étudier, mais un peu complexes aussi, hein, puisque du point de vue de l'énonciation, déjà, il faut commencer par scinder entre la personne qui écrit et l'identité auctor, enfin, et la fonction auctorielle, auctor, scriptor, sinon on ne s'y retrouve jamais. Et bon, voilà, c'est ça un des exemples des axes sur lesquels se fonde mon étude de la poétique des forums. Il y a aussi une autre chose que je trouve ultra intéressante, ce sont les écritures collectives qui fonctionnent un peu sur le modèle du RPG. Donc du roleplay par écrit, on a plein d'aventures d'écriture où les rôles sont distribués dans l'écriture d'une œuvre collaborative. Sur le forum, on en a des tas d'exemples. Et on a aussi, toujours dans ce truc d'écriture collective, plusieurs types de distribution. Alors ça, c'est Jean-Paul Fourmentreau qui a travaillé sur la création collective chez les Net Artists. Dans le net art en tout cas, et c'est pas la même chose que pour l'écriture, pas tout à fait, mais en tout cas les distinctions conceptuelles qu'il élabore entre plusieurs manières d'écrire ensemble sont super efficaces pour penser ce qui se passe aussi sur les forums. Ça peut être un topic participatif, par exemple le membre A ouvre un topic en donnant une espèce de règle du jeu et puis chacun participe. Il peut s'établir un dialogue entre les différents énonciateurs. Les gens peuvent écrire ensemble sur un pad, donc là il y a un texte en simultané, pardon. Les gens peuvent, comme dans le modèle du RPG, se distribuer les rôles dans l'écriture. Donc voilà, il y a toute une galaxie de possibilités.
Il y a aussi quelque chose que pour l'instant je l'étudie pas beaucoup, très efficacement, mais c'est la question de la dispersion mimétique des textes. Donc qu'en fait les reprises de patrons textuels ou les pastiches de textes fonctionnent sur les forums à une allure incroyable, comme des mèmes. Ça se diffuse parfois en moins d'une journée. Quelqu'un lance un sujet et les autres vont écrire. L'exemple un peu canonique, c'était une membre, Jasmin, qui avait ouvert un topic qui s'appelait Mes amants, qui était autant de petits portraits d'amants qui fonctionnaient comme des médaillons. Et bon, évidemment, il y avait une dimension féministe et tout ça. Et une dimension un peu sérielle aussi, puisque chaque texte reprenait le patron du précédent. Et en fait, en quelques jours, il y avait eu une dizaine de topics différents de gens qui avaient écrit d'autres types de mes amants. Il y avait même eu un mes aimants. Et là, on était plus dans le pastiche, mes aimants de frigo. Hein. Et voilà, donc la dispersion mimétique, à mon avis, est très conditionnée par le fait que on écrive tous dans un même lieu. Et ça aussi, j'en parlais de la métaphore de la bibliothèque. Il y a un membre qui avait dit, enfin qui avait écrit une phrase un jour qui était « Nous sommes tous de la bibliothèque ». Et j'avais trouvé ça très juste. Parce que la métaphore de la bibliothèque est vraiment matricielle pour l'espace du forum. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une bibliothèque collective. C'est comme si on écrivait tous dans des livres blancs dans une bibliothèque et qu'on se lisait tous en permanence aussi. Alors c'est pas totalement inédit, bien sûr, dans l'histoire, ne serait-ce que dans les cénacles ou dans les groupes d'avant-garde, on a eu des collectifs d'écrivains très soudés qui se lisaient les uns les autres. Mais ils n'écrivaient pas sur un même support, et matériellement, ça leur était pas possible de se lire tous les jours. Alors vous me direz peut-être que les écrivains de la blogosphère font un peu aussi ça, et c'est vrai, mais ils n'écrivent pas dans le même espace. Et je pense que ça occasionne quelques différences dans le fonctionnement des intertextualités. Donc voilà, là j'ai donné quelques exemples, mais j'aimerais pas aller trop loin dans mes exemples, parce que j'en reparlerai dans ce vlog au moment où je rédigerai, pas tout de suite, hein, dans longtemps, mais au moment où je rédigerai les parties consacrées à la poétique. Et j'enchaîne maintenant, il faut encore que je le tournerai probablement un autre jour, mais sur une petite exploration via le logiciel OBS qui me permet de filmer mon écran et de me filmer en même temps du forum sur lequel je travaille pour vous montrer à quoi il ressemble et comment il fonctionne. Merci. Bienvenue sur le forum des jeunes écrivains et des jeunes écrivaines, du moins dans sa version contemporaine. Je vous montrerai tout à l'heure des affichages du passé. Donc quand on arrive sur un forum, la première chose qu'on voit, c'est sa bannière. Ici, elle a été dessinée par une membre il y a quelques années, ainsi que le logo. Et puis, de temps en temps, il y a des petits ajouts saisonniers, comme ici un choupisson. On a une chatbox sur la gauche qui est un encart de discussion instantanée. Donc, je peux me connecter, discuter. Bon, là, il n'y a personne d'autre de connecté. Ça ne servira à rien. Ah oui, je précise que je me suis créé un compte exprès pour cette vidéo, Pater. Parce que mon compte usuel, Pasify, est un compte qui possède des fonctions d'administration qui me permettent d'avoir accès à des sections invisibles. Donc j'allais pas vous les montrer, ça aurait pas été très fair-play. Quand je suis nouveau, je vais dans ma messagerie, j'ai un message qui m'indique comment je dois faire quand j'arrive. Et la première chose qu'on est censé faire, évidemment, c'est de lire le règlement. Et le règlement indique qu'il faut sacrifier au rite d'hospitalité. Donc, aller dans la section accueil et me présenter. Il y a un petit guide pour se présenter. Ça, ce sont les présentations d'autres membres. Si je vais voir par exemple la présentation de Krusty. Voilà. Voilà. Et puis les gens qui lui disent bienvenue. Et mettons que Pater veuille se présenter, il faut que j'ouvre un nouveau sujet, un topic. C'est la plus petite unité. Dans la granularité documentaire des forums. Attention, je me suis trompée, la plus petite unité, c'est évidemment le message et pas le topic. Alors, j'ai un traitement de texte qui est assez complexe.
enfin un complet, pardon. Si là je vais dans GIF, mettons, je choisis le GIF coucou. Celui-là, il est très bien. En fait, ce que je vois ici, ce sont les balises et c'est du bibicode. On peut aussi utiliser les balises HTML si vous êtes plus habitué à elles. Par exemple, si je veux faire... là. Ou alors les balises bibicode, ça revient au même. J'ai la fonction prévisualiser qui me permet de voir ce que ça va donner. Ou alors je peux cliquer là-dessus, mais ça va pas me traduire le HTML par contre, ça. Donc on peut... Alors sur les forums en fait il n'y a pas d'hébergeur d'images intégré, donc il faut aller héberger les images sur un hébergeur. En fait on a un compte qui se crée automatiquement quand on s'inscrit à un forum, donc on choisit des images, on les héberge et ça les met ici. On peut également insérer des hyperliens. Et puis il y a tout. Des spoilers. Elle est rigolote, la fonction spoiler. Voilà. Hop. On a aussi toute une série d'émoticônes, certains qui sont natifs de la plateforme Superforum et d'autres qui ont été ajoutés au fil des années. Bon, on a le choix des polices, de la taille des polices, de la couleur. Et puis si on sait un petit peu bidouiller le code, on peut faire des trucs très rigolos, avec notamment du texte qui défile, qui tombe, qui disparaît. Bon, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais vous présenter le forum dans sa globalité. Alors, un forum peut être sous paravent. C'est le cas de certaines des parties de jeunes écrivains, ce qui signifie qu'en fait, certaines parties ne sont accessibles que aux personnes inscrites. Typiquement, la section « Vos écrits », qui va recueillir les écrits des membres, est invisible depuis un moteur de recherche. Ou est invisible à quelqu'un de non inscrit qui visiterait le forum. D'autres sections, comme la section panneau d'affichage, accueil ou encore édition et autopublication, sont quant à elles visibles à tout le monde, si c'est ce qui permet le référencement sur les moteurs de recherche, on en reparlera. Donc un forum, c'est une arborescence. C'est ce qui va distinguer en fait l'organisation des forums de celle des réseaux sociaux. On n'est pas dans une logique de page profil et de timeline avec les dernières actualités. Mettons qu'on aille dans la section poésie. En fait, c'est une section à l'intérieur de laquelle on va trouver encore des sous-sections qui peuvent en contenir d'autres à l'infini, hein, c'est le principe de l'arborescence. Et les topics ensuite par contre sont classés dans l'ordre antéchronologique puisque ce sont les plus récents, enfin les plus récemment alimentés qui apparaissent en premier. Mettons que j'aille sur le mémo d'un phallos et voilà, je vais avoir les poèmes du projet mémo. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que un choix a été fait dans l'organisation du forum des jeunes écrivains qui aurait pu ne pas être le même. Je vais vous montrer le monde de l'écriture, qui est un autre grand forum d'écriture. Je pense que c'est, avec Jeunes Écrivains, l'un des seuls grands forums actifs aujourd'hui, a fait un choix radicalement différent. Si je vais dans la section poésie, mettons que je choisisse d'aller lire Ballade champêtre de Robert Henri D. Eh bien, je vais avoir un texte, donc un poème, et en dessous, les commentaires. Donc ici, on a privilégié la fonction atelier du forum. C'est texte par texte et ensuite la discussion collective sur le texte. Sur le forum des jeunes écrivains, c'est différent. Comment ça se passe? Mettons que j'aille... on va aller sur mon topic, les miettes. Alors j'ai tous mes poèmes depuis 2011. Donc 11 fois 15 messages, hein, ça fait beaucoup de poèmes. Et j'ai hyper relié dans mon premier post un lien des commentaires. Et là aussi, mince. Mince, c'est ici, pardon. Et donc là, j'ai mes 46 pages de commentaires. Oui, c'est considérable.
Voilà, 46 pages de commentaires. Si je vais à nouveau dans la section poésie, en fait, la section des commentaires est une sous-section qui va contenir tous les commentaires. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Quelque chose de tout simple. Le fait qu'on incite à une logique de recueil. Ce qui fait en fait finalement du forum un lieu de publication à part entière. Ça n'est pas simplement un atelier, c'est aussi une bibliothèque qui comprend autant de fils qu'on pourrait métaphoriquement comparer à des livres, même si la comparaison éprouve vite des limites. Je vais faire une petite pause parce que mon ordinateur souffle. Continuons. Pour l'instant, je vous ai montré les deux premiers blocs, communauté et vos écrits, qui contient également une section concours. Alors, l'organisation ici se fait par genre. Sur le monde de l'écriture, c'était plutôt texte court, texte moyen, texte long, ce qui est plus neutre dans la classification. On a quand même une section miscellanée qui est un peu la section fourre-tout, et ce n'est pas la moins intéressante. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, et je vais le faire à partir de mon profil, c'est plus honnête. C'est la question de la signature. Tous les membres peuvent avoir, en dessous de chacun de leurs messages, une signature. Et l'un des usages sur les forums d'écriture, c'est d'hyper-relier ces topics pour faciliter en fait l'accès au texte pour les autres membres de la communauté. Par exemple, je peux cliquer sur thèse, ce qui me permettra de vous montrer très brièvement mon journal de thèse, qui est truffé d'images. Voilà, des images. Beaucoup d'images. Beaucoup de livres. Beaucoup de petites réflexions et de smiley fleurs, bien entendu. Voilà mon carnet de thèse. Tac, 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 on remonte. Ensuite, on a une section atelier, donc avec la sous-section écritoire qui recueille les différentes initiatives collectives, et la section édition et autopublication, qui en fait est un peu le cœur battant de notre forum depuis plusieurs années. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Elle contient des fiches par maison d'édition, parfois créées par les maisons d'édition, parfois par des membres, des itinéraires éditoriaux, une section invisible dont je ne vais pas vous parler tout de suite parce qu'il faut être inscrit pour la voir. Et donc dans les itinéraires éditoriaux, les gens racontent en fait leurs recherches d'une maison d'édition. Et ensuite, il y a une sous-section après publication pour raconter le destin éditorial du livre. Pourquoi cette section est particulièrement importante? Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de paravent devant. C'est-à-dire qu'elle est indexée sur les moteurs de recherche. Et en fait, elle est tellement bien référencée qu'une grosse majorité des visiteurs non inscrits du forum viennent pour cette section. Et ils sont extrêmement nombreux. Ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an. Ce qui en fait même, alors déjà il y a un côté wiki, hein, encyclopédie participative du monde éditorial francophone, le savoir s'est accumulé sur les différentes modalités d'édition, les différentes pratiques des maisons d'édition, etc. Et surtout, en fait, le forum est parfois mieux référencé que le site officiel de certaines petites maisons d'édition. C'est-à-dire, vous tapez le nom de la maison d'édition, vous tombez d'abord sur le topic du forum qui en parle. Et ça peut être très utile dans le cas de pratiques un peu rapaces, comme on en trouve dans le monde de l'édition. Des pratiques d'édition à compte d'auteur qui se font passer pour de l'édition à compte d'éditeur, qui vous font croire que vous avez été sélectionné, etc. Et donc en fait, très concrètement, cette section, qui n'a l'air de rien comme ça, est un énorme contre-pouvoir dans le champ éditorial francophone. Et ça, je peux le dire d'autant plus que nous avons, à de nombreuses reprises, été contactés par des maisons d'édition qui nous menaçaient de poursuites judiciaires pour diffamation, ce qui indique suffisamment bien à quel point elles peuvent se sentir menacées. La bibliothèque, c'est là où on parle de littérature. On a aussi notre petit club de lecture, J.E. Bookin. Je crois que la première occurrence avait lieu en 2014, et on avait lu Cosmos de Gombrowicz. Je voulais montrer encore une ou deux choses. Ah oui, dans concours, je vais vous montrer le concours de nouvelles.
Le concours de Noël, c'est vraiment le concours par lequel beaucoup de membres se sont intégrés. Je crois que j'en ai déjà parlé, donc je radote. Il en est à sa 71e occurrence. Les thèmes étaient phobie, peinture et musée, l'île des morts. Donc là, on a toutes les nouvelles. Et bien sûr, enfin bien sûr non, ça n'a rien d'évident. En général, un participant édite un PDF avec toutes les nouvelles pour le confort de lecture. Et on a un mode liseuse qui est très pratique pour le confort de lecture. Donc on peut basculer en mode jour, mode nuit. On peut choisir la taille de la police. Non, des marges, pardon. Des marges et de la police. Bon, voilà. Vous avez compris. Ensuite, on a la section discussion générale avec l'agora. C'est la section dans laquelle on se tape dessus en général. La section floude, qui est très importante dans la formation d'un esprit communautaire. Ça peut paraître rigolo dit comme ça, mais en réalité, j'ai même lu un article scientifique sur un chercheur qui avait créé un forum quand il était étudiant pour sa promo en fait, enfin pas que la sienne d'ailleurs, mais bon, bref, dans un contexte étudiant, et qui avait rechigné au départ à créer une section floude en se disant que c'était pas le plus important, que le but c'était la coopération, l'aide aux devoirs, etc. Et c'est quand il a fini par céder et par créer une section floude qu'il s'est rendu compte que ça permettait en fait à la communauté d'exister. Pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé la référence. Il s'agit d'un article de Stéphane Vial. Il était une fois PP7 ou la naissance d'un groupe sur Internet. Donc cette section, espèce d'espace ludique, elle est très importante. Donc là, je peux voir les utilisateurs enregistrés en ce moment. Ceux qui se sont connectés au cours des 24 dernières heures. On peut voir aussi rapidement les statistiques du forum. Donc, allons faire un tour dessus. Elles mettent toujours un petit peu de temps à charger. Alors oui, donc on voit ici que le forum a été ouvert le 29 septembre 2005. C'est émouvant. Qu'il contient 1 070 000 messages. Plus de 15 000 membres enregistrés. En réalité, c'est plutôt 25 000, mais simplement, autrefois, on avait tendance à supprimer les comptes des usagers qui ne s'étaient pas connectés depuis un certain temps. On ne le fait plus. Bon, voilà, on a les sujets les plus vus. Et ce n'est pas une petite gloire que de considérer que l'un des sujets les plus vus, c'est les plus beaux poèmes. Un topic qui a été ouvert il y a très très longtemps, en 2008, et qui est encore actif aujourd'hui, où les membres en fait viennent partager leurs poèmes préférés. C'est une espèce d'anthologie collective qui est très très chouette, par laquelle on a découvert beaucoup de choses. Voilà, des citations par image. Etty Jones. Ah, ça c'est moi, Andrea Zanzotto. Enfin bref, voilà. Le sujet le plus vu, c'est le trombinoscope. Alors, ça c'est terrible et c'est très drôle en même temps. Dans les communautés numériques, les gens sont des commères. Ils veulent savoir à quoi ressemblent les autres. Donc on a des stats par usager, mais surtout des stats sur la dernière année. Donc en nombre de sujets ouverts et nombre de messages postés. Alors on peut avoir l'impression qu'il y a une diminution, mais en réalité, c'est plutôt ces mois-là de 2021 qui sont des apex. Toutes ces dernières années, on tournait plutôt à 2 ou 3 000 messages par mois. Et là, en fait, depuis le confinement de mars 2020, on a eu un espèce de gros regain d'activité. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les médias ces informations selon lesquelles beaucoup de Français et de Françaises avaient commencé à écrire un roman pendant le confinement. Eh bien, forcément, un forum d'écriture, on a ressenti les ondes de choc. Voilà. Pareil pour les nombres d'inscriptions. Non, c'est relativement stable dans le temps, en fait. Ouais, 130, 140, voilà. Et je vous ai préparé une toute petite promenade sur Web Archive parce que j'adore faire ça. Donc là, c'est le Forum des jeunes écrivains en 2005. Et il n'était pas très très joli. Voilà. Mais on avait des choses super drôles. Enfin, par exemple, le blog Les vrais auteurs.
Il faut pas oublier qu'en 2005, les membres de jeunes écrivains avaient en moyenne 13 ans, 13-14 ans. Voilà. Donc, ils ne se considéraient pas comme de vrais écrivains, visiblement. Je crois qu'on peut pas aller plus loin. Ah si, ça a été sauvegardé. Sujet surannouillé. Webarka, il a besoin d'argent. Bon, ça, c'est 2005. Là, on est en 2008. Je n'ai pas connu ce fonds-là. Ça n'était pas très efficace. Enfin, je veux dire, c'est pas possible normalement qu'il y ait un aussi gros bloc avant même l'arborescence. Pareil, l'arborescence était beaucoup trop longue. Pour qu'un forum fonctionne, il faut poncer l'arborescence. C'est incroyable. Incroyable. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on pouvait adhérer à des groupes. Donc il y avait les écrivains sans fin, qui n'arrivaient pas à terminer leur roman, et les rebelles de la littérature, qui en ont assez des stéréotypes littéraires. La moyenne d'âge, là, ça devait être plutôt 17-18 ans, je pense. Et il y avait une shootbox, c'est comme une espèce de chatbox sur laquelle tout le monde pouvait. Enfin, qui était visible. Et oui, ce qui m'a fait rire. Ah non. Bon. Donc, moi, quand je suis arrivée, c'était cet affichage-là. C'est une capture du film d'animation Valse avec Bachir. Ça, c'était la chatbox à l'époque. On avait encore une shootbox à l'époque aussi. Il y avait un site. Je sais pas s'il existe encore. Oula, j'ai tout fait bugger, moi. Nuit JE, écrire ou dormir, il faut choisir. Le concours de nouvelles n'en était qu'à sa 35e édition, n'est-ce pas? Et j'étais connectée, ici. L'arborescence a quand même bien changé depuis. C'est rigolo. Et j'ai aussi connu ce design-là, je pense qu'il a couru de 2012 à 2014 ou 2015, un truc comme ça. C'est intéressant de regarder les bannières et la symbolique. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, le fait qu'en fait, même dans les espaces numériques, la plume, voilà, le symbole, la plume, sert à en référer à l'écriture. Alors ici, on était un peu plus moderne, parce qu'il y avait à la fois du papier. On pouvait aussi déjà écrire sur une petite tablette. Donc on avait une jolie coexistence des outils d'écriture organisés. C'est rigolo. Donc voilà à quoi ressemblait l'arborescence. Et on pouvait voir tous les membres connectés au cours des 24 dernières heures. Est-ce que j'étais connectée? Oui, j'étais là. Et à l'époque, il n'y avait que 590 000 messages. Donc là, en 2014. Voilà, j'espère que cette petite exploration des vieux designs vous aura plu. Et que vous avez peut-être compris, si vous ne les connaissiez pas, le fonctionnement des forums d'écriture. Évidemment, c'était le degré zéro. On peut avoir l'impression que ce qui s'y passe est très plan-plan. Mais ces architectes, dans toute leur fausse simplicité, permettent de faire des choses formidables. Et c'est ce que je vais essayer de prouver en écrivant ma thèse. Merci beaucoup.